Quel était, à vrai dire, de manière sereine, sans jugement, quelle était, à vrai dire, la représentation chez les ulama et dans les toits nord-africains de Péa, qui étaient proches? Quelle était la représentation? Mais on dit, mais on dit que les ulama, par exemple, étaient plutôt, dans leur thèse, plutôt proches de Farhat Abbas. Politiquement, mais pas idéologiquement. Ah, d'accord. Politiquement, parce qu'il y a des calculs politiques. D'ailleurs, même sur le plan politique, je crois qu'il va y avoir un certain nombre d'ouvrages, je sais qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont en préparation, et on va découvrir que il y a eu des transformations au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de ulama sont allés, alors qu'ils allaient auparavant, ils allaient vers Abbas, dans la logique du Congrès musulman de 1936. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont pratiquement tous aller vers le PPA. Tous. Et tous les militants ulama qui étaient connus comme étant militants politiques, parce qu'il y avait des apolitiques, étaient MTLD. Tous, sans exception. Très rares étaient de l'UDMA. Très rares. Ils étaient tous interdits. Je sais que dans les ORES, et je pense qu'il y a un bouquin qui va sortir dans quelques temps, qui le montre de manière très précise, ce lien entre l'association des ulama et le PPA. Très bien. Les ingénieurs ont trouvé leur expression politique dans le PPA étoile et leur expression culturelle et religieuse chez les ulama. C'est une symbiose, on peut dire d'une certaine manière. C'est toujours cette schizophrénie qui n'est pas un jugement de valeur. Mmh. D'accord. Mais on était sur un autre point. Je voudrais, si tu le permets, le mener à terme parce qu'il est important. Quelle était la représentation chez le ulama et chez le PPA MTLD, y compris MTLD? Quoique ça commence à changer avec le MTLD. L'étoile PPA. Et quelle était la représentation chez Abbas et les communistes? C'est un paradoxe, mais ils sont beaucoup plus proches. Cette polarité abbas-communiste est beaucoup plus fiable et plus proche que la polarité ulama. Pourquoi? Parce que, du point de vue des références politiques profondes et idéologiques, le PPA étoile et les ulama sont dans une culture d'empire. Mm-hmm. Abbas est dans une culture de république. Et d'État. Et avec ça. Et les communistes sont dans une, précisément, logique de république et d'État. Mmh. Si on arrive à sereinement étudier les choses comme ça, on pourrait décompter beaucoup dégager, de choses. On pourrait éventuellement une littérature. Exactement. Mmh. Mmh. Ce qui fait que la guerre de libération, quand elle est arrivée, les gens parlaient de Doula Jazaïria. Mais Doula Jazaïria, le concept est suffisamment flou pour ne pas opérer la rupture entre la notion véritable de république comme l'avaient conçue les Grecs au départ et comment elle a été développée par l'Empire romain dans un certain temps et puis elle s'est effacée jusqu'à sa résurgence. Donc au XVIIIe siècle, parce qu'il y a toute cette période où l'évolution, la République a disparu, le seul modèle c'était l'Empire, et de l'autre côté, la pérennité de la culture impériale. Mm-hmm. C'est une pérennité. Ce qui fait que les gens qui sont arrivés en 62 avaient une très vague idée de ce qu'est une République au sens propre du terme, et je vais donner des exemples. Éventuellement, pour d'abord... L'absence de ce projet de société post-guerre de libération. Absolument. Éventuellement de l'origine sociale de ceux qui ont gouverné immédiatement après l'indépendance. Pendance. Et éventuellement du rôle plus tard de la force, de la violence, qui a mis en place tout un mécanisme de. Mais avant d'arriver, c'est pardon, juste parce que c'est très sensible que de réfléchir. Sur nous-mêmes, oui, et il est plus facile de réfléchir sur les autres bien sûr. Que sur soi-même. Peut-on maintenant résumer en quelques points les grandes caractéristiques qui ont marqué l'évolution du mouvement national
et par la suite ce qui a marqué la guerre de libération nationale, et on met un point pour pouvoir débattre de ce qui a été advenu du processus lui-même après l'indépendance nationale. Quelles sont les caractéristiques du mouvement national et de la guerre de libération sur le plan intellectuel, idéel, du projet, de la vision, à ton avis, toutes tendances confondues? Toutes tendances confondues, je vais mettre en avant, comme on dit, le plus petit commun dénominateur. Le plus petit commun multiple, pardon, le PPCM, comme l'appellent les mathématiciens. Les mathématiciens, ouais. Le point commun, c'est que la préoccupation de cette élite naissante dans le mouvement national algérien qui est née dans la crise avec le colonialisme. Cette élite naissante avait pour objectif fondamental l'émergence d'un État national souverain. Donc c'est ça l'objectif fondamental. Mais on n'a pas été chercher loin pour savoir de quel type d'État. Quel type d'État nous voulons? D'ailleurs, même dans la déclaration de novembre, c'est vague. Très vague, très vague. Très vague, et les éléments symboliques sont présents qui laissent penser qu'en fait, on n'y a pas réfléchi, mais qu'on a surtout voulu répondre à des besoins de campagne de mobilisation, pour mobiliser les gens. Donc on a mis un peu l'islam, un peu l'arabité, etc., etc. Éventuellement pour faire plaisir à tout le monde aussi. Toutes tendances confondues. Ça ne faisait pas plaisir, par exemple, aux démocrates qui, à l'époque, avaient provoqué cette histoire de la crise de Berlin de 1947. 47-49. 47-49. Mmh. Donc il y avait déjà la manière dont ça a été engagé, y compris avec des décideurs qui parlait au nom de la Kabylie. Je parle de Ouamra, je parle de Kerem Kassam. Ahmed lui-même qui a été, d'après ce qu'on sait, chassé de... Bien entendu. Mm. Ben, on a parlé plus d'arabité, on a parlé plus d'arabité et d'islamité, et on n'a pas fait du tout allusion à l'autre segment fondamental de la société algérienne, qui est la nazirité. Parce que c'était impensable. Impensable. Le schéma qui était le schéma dominant chez nos concepteurs d'idéologie et de politique d'émancipation, prenez l'exemple sur le jacobinisme de l'État français. Très bien. On voulait plaquer vers le jacobinisme. Le jacobinisme est le résultat d'une histoire. Nous avons importé ce jacobinisme comme un transfert de technologie politique. Et on l'a pris comme un postulat. On l'a pris comme un postulat de départ au nom duquel on a verrouillé la société. Et en fait, on n'a pas créé une république, on a maintenu une pérennité de culture d'empire avec un semblant de république qui n'a pas résisté au temps. Qui n'a pas résisté au temps. L'histoire maintenant qui refait surface pose ce problème des relations entre les différents courants dans le mouvement national. La deuxième observation importante qui me paraît être nécessaire à mettre en évidence, c'est qu'il y a une diversité, c'est vrai, de référents culturels. Je vois surtout trois référents culturels importants. Le référent culturel islamiste, qui est important, qui a joué un rôle très important, et un rôle anticolonial de premier plan, mais il faut définir ce que c'est que l'action anticolonialiste de l'islam. Ce n'était pas pour la conquête du pouvoir. Ce n'était pas pour l'érection d'une émergence, si vous voulez, d'une république algérienne démocratique et populaire, etc. Pas du tout. Ils avaient conscience qu'il y avait un danger sur la société algérienne, un danger de culture mortifère d'aliénation des sociétés maraboutiques. Leur principale préoccupation, c'était de faire barrage au maraboutisme. Et ça, c'est un aspect fondamental. C'est un aspect qui, malheureusement, revient maintenant en l'an 2000. Bien sûr, en 2000. Et depuis 2000, il revient en force. Parce que le maraboutisme correspond parfaitement à la culture impériale. Ah. Il ne correspond pas. C'est un dissolvant de la culture citoyenne. C'est-à-dire, lorsque le pouvoir développe le sens c'est une forme de théocratie. De l'empire, et à travers son chef, la culture de l'empereur et du roi, il a besoin de la secte. Bien sûr, la secte, exactement. Sans des sectes. Absolument.
dans le chez Abbas, il y a une réflexion qui s'est mise en route. Abbas a pris le relais de l'émir Khaled. Il y a beaucoup de continuité et c'est dommage que les historiens ne veulent pas faire le travail de manière objective et sereine. Et peut-être dire que le mouvement national en réalité est né avec l'émir Khaled et non pas en 1926. Bien sûr. Déjà à la fin des années. Mais c'est déjà à l'époque, puisque en 24, l'émir Khaled écrit une lettre au président Wilson. Mmh. Effectivement. Au sujet de la charte en disant, écoutez, il y a une charte, les droits des nations et des peuples à disposer d'eux-mêmes, il faudrait que vous nous en fassiez profiter. Nous payons l'impôt du sang, nous avons été de toutes les guerres, parce qu'on n'a pas commencé à participer aux guerres de la France en 14-18. Il y a eu la guerre des Dardanelles, avant, il y a eu la guerre de 70, où des Algériens ont été obligés de participer, on a fait des razzias dans les villages et dans les douars pour les prendre. Et l'émir Khaled avec Bentoumi, etc., donc on lançait cette idée de l'émancipation du peuple dans le cadre de la charte wilsonienne des droits des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, le relais a été pris, puisque l'émir Khaled a été expulsé d'Algérie en 1923 vers l'Égypte, où il a été, s'est installé en 1924, et puis il a rejoint la Syrie. Et il a été, quand il a été expulsé, il y a eu un moment de vide. Un moment de vide qui a été occupé essentiellement par les ulama, puisque les ulama fondent leur association en 1930. Khaled a quitté l'Algérie en fin 23, début 24. Les six années à l'époque, on peut dire que l'Algérie... Qui, il ne faut pas l'oublier, déjà dans les, en 1925, le mouvement des frères musulmans qui est né à travers... Le mouvement des frères musulmans. En Égypte. En Égypte en 1925 et le mouvement des ulama en 1931. Ça veut dire qu'il y a une sorte de préparation d'un terrain, absolument, d'un regain, absolument, d'une certaine conscience religieuse par rapport à la culture de l'islam, de l'empire. Il y a pas que la conscience religieuse. Mm-hmm. Il faut, je crois, accorder un certain nombre de crédits. Je crois même que Hassan Haïkel, qui fait des émissions sur Al Jazeera, on en avait parlé un jour, j'ai prêté une oreille de manière un peu distraite, j'étais occupé à autre chose. Je crois qu'il y a ce mouvement du nationalisme islamiste dont je parlais tout à l'heure, oui, auquel appartenait chez Tebarstan. Il est né d'une certaine manière sous l'impulsion britannique. Ah. C'est la mission La Rose d'Arabie. Mm-hmm. Qui est très connu maintenant. Il paraît que le livre des mémoires de Laurence Arabie en version non expurgée vient de sortir tout dernièrement. Il y a à peu près une quinzaine de jours. Je vais m'atteler à le relire. Parce que j'ai utilisé, pendant mon travail sur les élites arabes et musulmanes, j'ai utilisé la version de 1919 et 1920. La version, je crois qu'elle va être édifiante. Parce qu'il nous dit comment, en fait, tout a été programmé, organisé, réfléchi pour développer un mouvement nationaliste arabe qui doit aboutir à restaurer, non pas une république, mais l'empire, c'est-à-dire le khalifa. Il voulait le restaurer au profit des Hachimites. Les peuples de la région ne l'ont pas accepté. Parce que pour eux, ils avaient été invités à abattre le khalifa ottoman, c'était pas pour le remplacer par un autre khalifa. Et puis la réaction, elle était plutôt nationaliste que religieuse. Exactement. Face aux Turcs. Absolument. Mm-hmm. Absolument. Ensuite, les Britanniques ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont voulu créer le khalifa, non pas chez les Hachimites, mais chez les descendants des Khedives, c'est-à-dire les rois d'Égypte. Et là, Al-Azhar et un certain nombre d'intellectuels, notamment d'intellectuels islamistes, parce qu'à l'époque c'était Mohamed Abdel et consorts. Les néo-moujtahides. On dit, il n'est pas question. C'est Bid'a, Rachid Reza dit clairement, Abdelazir le dit clairement, Mustafa Abdelazir. Mustafa Abdelazir a dit, le khalifa, c'est une Bid'a dans l'islam. Alors, que font les Britanniques? Devant l'impétuosité du mouvement du Wafd,
ils suscitent, ils encouragent en sous-main la création des fondamentalistes, avec l'appui du wahhabisme saoudien. Donc il y a un projet dans leur tête. Un wahhabisme saoudien, entre guillemets, qui venait de naître en 1932, parce que l'État lui-même. L'État mettra du temps à naître. Mais Abdul Wahhab est arrivé en Arabie en 1892. Les dates existent. Il a commencé à travailler pour les Saouds au début du siècle, du 20e. Donc il y a un projet réel, et ce projet, je crois qu'il suffit de lire, ne serait-ce que comme on consomme un roman policier, il suffit de lire les mémoires de Laurence Arabi. Elles sont claires là-dessus. Il y a des couacs dans cette logique. Les couacs, c'est que un certain nombre d'intellectuels musulmans, du genre, ou islamistes si on veut, du genre Cheikh Barslem, se sont ravisés, ils ont tout compris. Pourquoi? Parce que ils connaissent, ce sont des gens qui ont voyagé, qui ont fréquenté beaucoup de gens, ce sont des gens de terrain aussi, qui ont lutté. Ils connaissent la réalité du nationalisme. Et ils comprennent l'enjeu du retour au Khalifa. Donc, c'est les premiers qui vont s'opposer au projet Khalifa. Mais ils comprennent l'enjeu du nationalisme. La Grande-Bretagne mettra du temps à comprendre qu'il vaut mieux aller dans ce sens que d'aller travailler à contre-courant pour restaurer un Khalifa qu'elle n'a même pas tenté de restaurer pour les Saoudiens. Parce que ça aurait été un non-sens. Effectivement. Au début, on le restaure, si on le restaure, on le restaure pour les Hachimites. Ce serait logique. D'autant plus que dans le nom des Hachimites, il y a une sorte de légitimité historique, etc., absolument, qui renvoie. Absolument, voilà. Absolument. Donc, c'est le fond de la culture impériale. Le fond de cette culture impériale vise fondamentalement à empêcher l'émergence de l'État-nation, je dis bien de l'État-nation. Et quand on empêche l'émergence de l'État-nation, on empêche la formation de la nation.